Hello les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour partager avec vous les derniers arrivés, les dernières découvertes. Alors j'ai envie de commencer tout de suite avec voilà, ce précieux-là qui s'appelle un invincible été, qui est un outil d'aide au deuil. Le deuil qui peut être un deuil d'une personne physique, enfin une personne qui nous est chère, d'un animal, d'une situation. Donc celui-ci, je l'ai découvert sur Vinted. C'est une jeune femme qui est une tanadoula, donc qui accompagne les individus et les proches et ou les proches. Dans le passage du deuil ou dans les derniers instants de vie. Elle a travaillé aussi en art-thérapie et ce sont donc elle a créé un oracle avec 72 cartes pour aider à s'exprimer, donc dans lesquelles on va avoir beaucoup d'émotions, de situations, etc. Et elle s'appuie donc sur la philosophie d'Albert Camus. Et elle a repris sa phrase notamment qui a guidé tout cet oracle. Au cœur de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. D'accord, donc l'hiver, c'est vraiment la période figée où on est au plus bas dans le deuil. Donc lorsque on est vraiment dans l'ombre, qu'on est très très mal, cet oracle peut aider, voilà, à devenir un peu moins vulnérable, à ressortir la tête de l'eau. Voilà, donc elle dit qu'il y a deux méthodes, hein, choisir la carte en toute conscience ou la tirer au hasard. Ensuite, il y a une interprétation. Voilà, des différentes cartes. Elle dit bien aussi, et j'aime bien parce qu'elle met beaucoup de douceur hein, dans son ouvrage, et elle dit bien que c'est pas toujours évident d'accompagner ces personnes, soit qui vont mourir, soit qui sont dans le deuil, puisqu'elles sont très vulnérables et qu'il faut bien bien choisir ses mots, etc. Donc il y a tout un accompagnement là dans ce livret qui est vraiment passionnant. Et du coup, je ne vous ai pas donné son prénom, j'ai trouvé son site. Donc c'est Anadoula Deuil, son site, et elle, c'est Vanessa Rodrigue. Et tout son site est aussi doux, c'est de l'aquarelle. Et alors, ce que j'ai découvert, regardez quelle douceur. Quelle douceur. Tout est très fin. Laisser dans le livret. Et c'est marrant parce qu'après, une fois que j'ai commandé, que j'ai reçu le colis, j'ai été revoir. Ah oui, j'ai pas encore laissé de. Il faut que j'aille mettre un commentaire. Donc, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Donc j'ai découvert qu'en fait c'était un site dont Valérie m'avait parlé. Et c'est voilà, en retournant valider la commande, enfin la réception, que j'ai fait le lien.
Voilà, oui, elle reprend un petit résumé. Il y a même un petit arc-en-ciel très très léger ici sur la carte. Tout garder précieusement. Oui, ce sont des petites cartes. C'est bien la créatrice. Une boîte de belle qualité aussi. J'aime bien quand il y a des ouvertures comme ça. Ça permet de ne pas les arracher ni les abîmer. Voici le dos. D'où les plumes dans la présentation. Elles sont belles, de belles couleurs. Et la tonalité. Dans les bleus gris. Le dépassement. Le témoignage. S'ancrer. Le cheminement. Je vais toutes vous les prendre le temps de toutes vous les montrer parce que. Moi, je n'avais jamais vu ce jeu et je le trouve extraordinaire. La détermination, l'intellect, les animaux, se confier, l'attente. La technologie, je la trouve violente, j'aime. L'impuissance, les corps, on dirait qu'il y a les deux niveaux. C'est-à-dire physique est déjà très céleste avec ses bleus, comme si c'était déjà la galaxie. La solitude, elle est incroyable. Le carnet. Les sens. L'hommage, très fine. La culpabilité. Les croyances. L'automatisme, très futuriste aussi, malgré une belle bibliothèque derrière. Mais c'est dans le sens robot, faire automatiquement les gestes, etc. Toujours les mêmes dans le même ordre. Voilà. S'apprivoiser. L'épuisement. La submersion. Alors j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé d'indication concernant les illustrations. L'épreuve. Non seulement il y a la montagne, mais en plus un sac à dos hyper lourd, voire la pierre qui était portée, c'est le déménagement. Les tranchons neutres. Les affaires. Ouais, qu'est-ce qu'on en fait après? On garde pas. Quel temps est nécessaire?
pour faire le vide. Qu'est-ce qui nous rappelle des bons souvenirs ou pas? L'administratif, oui, ça aussi, hein, dur, hein, après. C'est ce qui permet des fois de tenir les premières étapes ou des étapes pendant lesquelles on ne se rend pas vraiment compte du deuil. C'est après que l'on retombe le choix. Garder les bons souvenirs, les masques, l'émotionnel, elle est très forte celle-là. C'est vraiment très mélangé, arriver à traduire ce qui se passe à l'intérieur, l'isolement. Bon. Peut être une étape aussi, hein, qui est une étape du deuil. Les troubles. Ouais. Oh là là, elle est puissante. Troubles alimentaires, troubles mentaux, troubles le TOC compulsif, enfin tout ce qui peut en découler. Le handicap. La mémoire. Le médical, ouais, dur aussi. La rupture. Vous voyez, donc c'est pas c'est un deuil, ça peut être des deuils de situation aussi, hein, d'événements, de tout type de deuil, de fin, quoi. La violence. Là. Ah, la housse, oh là là, ouais. Il ne voulait pas sortir celui-là. La justice, la confusion, l'absence, la tromperie, ses sourires, la colère. Ouais. L'absurde, la souffrance, le cri, le choc, l'hiver, l'été, le noyau, les vieux jours. L'expérience, ça remue, hein, ça remue. Mais avec beaucoup de bienveillance, je trouve. L'avenir, le couple, s'épanouir, elle est magnifique. Se reposer, waouh. Pardonner, la joie, se ressourcer, très belle aussi, ah, l'amitié, l'engagement, d'ailleurs, c'est marrant, là, on ne sait pas très bien qui vient vers l'autre, qui aide qui. Le rêve, la projection, l'emploi, renaître, construire, simple, belle, le temps. Génération, la parentalité aussi, ça peut être un deuil, faire le deuil, hein, de cette parentalité, le partage,
soit parce que les enfants grandissent, soit parce que vous ne serez pas parents, ou différemment que ce que vous auriez pensé. Le partage, des petits bonheurs magnifiques. Le foyer, l'alimentation et les défis du quotidien. Et ouais. Voilà, donc magnifique. Vraiment extraordinaire. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager. Donc, vous pouvez le retrouver sur Vinted en tapant un invincible été ou directement sur son site Vanessa Rodrigue, ce qui est ici, je crois. Voilà, tanadoula-deuil.fr. Donc elle fait aussi des bougies, oui. Elles sont magnifiques, on dirait deux personnes, deux petits fantômes enlacés comme ça, blanches, deux corps. Elles sont très très belles. Je ne les ai pas eues en vrai, hein. J'ai découvert du coup son site. J'ai été fouiller un petit peu, voir tout ce qu'elle proposait. Voilà, regardez cette douceur. Soixante-douze cartes pour s'exprimer. Voilà, donc ça c'était le premier que je voulais partager avec vous. Ensuite, ben, on va rester un petit peu dans cette ambiance. La voix secrète des animaux, communiquer et communication animale. Emily, on a accompagné la semaine dernière un chat. Ça s'est très très mal passé. C'était horrible. Je regrette même d'avoir amené les enfants. On a même eu un mot, ouais. Une petite carte après du vétérinaire. J'ai pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Je pense que le chat a beaucoup beaucoup lutté. Alors qu'il était vraiment un cancer, elle n'arrivait plus à bouger, quoi. Elle était déformée par le cancer, elle avait des métastases partout, elle avait opéré plusieurs fois, elle n'était plus opérable, quoi. Et malgré tout, elle se levait, hein, elle mangeait, mais elle posait plus la patte, elle avait le ventre qui suintait. Elle mangeait un petit peu. Elle était encore proche de nous, beaucoup de câlins. Je sais pas si c'était vraiment le moment, si... Enfin bon, ça a été horrible. Donc besoin peut-être aussi hop, de ces deux oracles. Donc celui-ci fonctionne un petit peu comme la voix des âmes. Hein. C'est-à-dire qu'on a une partie, j'aime beaucoup la couleur aussi, la finesse. Vous voyez, on est toujours dans ce type d'aquarelle. Donc où on a une partie physique un petit peu pour se reconnaître et puis une autre partie message. Et toujours de très beaux textes, hein, comme tous les jeux d'Émilie. Je les ai tous sauf ces nombres. J'aime beaucoup les illustrations et puis le travail, quoi, des textes. Et, donc voilà, les dos, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est beau. Regardez. Très très beau. On va s'en tirer une. Voir s'il y a un message d'un animal. Ou même deux. Trois? D'accord. Allez, premier message. Allez, un petit. Et surtout, premier message.
Deuxième message. Troisième message. Et quatrième, là. Quatrième. Un, deux, trois et quatre. L'autre, vous voyez, c'est deux violets différents. Donc ça, c'est le petit message de l'animal. J'aime beaucoup les dos aussi, avec ces petites écritures missives. Voilà. Missive céleste. Alors, pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième et pour le quatrième. Voilà, peut-être aurez-vous un petit message. Moi, j'ai choisi le, j'allais dire deuxième, j'entends trois. Voilà, c'est le genre de choses. Alors, c'est parti avec le premier. Un animal adulte. On peut mettre plusieurs caractéristiques aussi. Tu ne me déranges jamais. Peut-être un animal auquel que vous avez eu, hein, qui est parti adulte, auquel vous pensez régulièrement, ou vous lui faites des demandes, ou vous lui parlez. Peut-être parfois, vous avez peur de le déranger, il vous dit « tu ne me déranges jamais ». Jamais. Le message numéro 2. Un tempérament têtu et obstiné. Je perçois ta tristesse. Le numéro 3. Une partie du corps, la gorge. Un animal avec une histoire autour de la gorge. L'âme or. Je vivrai toujours en toi. Est-ce qu'il avait un collier spécial? Est-ce qu'il avait une voix spéciale? Est-ce que... il avait des soucis à la gorge. Est-ce qu'il avait une tache sur la gorge, un collier, voilà, qui était propre à lui. Et le dernier, le quatrième. Quelque chose que tu as gardé en souvenir, des poils, plumes, etc. Donc quelqu'un qui a gardé des souvenirs de son animal, et le message c'est un contrat d'âme, nous devions être ensemble, c'était écrit. Voilà le type de message. Vous me direz si ça vous a parlé ou pas. Bon, déjà, si vous avez fait votre choix, hein, si vous aviez un animal dont vous deviez recevoir le message. C'est vrai qu'après, on peut compléter aussi avec d'autres tirages avec des oracles sur les animaux. Et après, vous aurez plus là-dedans, hein, par exemple, sur Léo. L'âme or, par exemple, je vivrai toujours en toi, 106.
On peut aussi travailler sur avoir plusieurs messages en travaillant sur son prénom, etc. En tirant 106. Voilà. Plein d'idées de tirage là-dedans aussi. Donc vous voyez, vous pouvez avoir. Les messages sont souvent très bien écrits. Voilà. Vous voyez, avoir des messages bien plus précis. Hop. Voilà pour ce beau coffret. Ce autour du deuil ensuite. Ensuite, ah oui, et ben il y a celui-ci avec de très très beaux messages aussi. Bon, on a beaucoup vu passer en ce moment, mais qui est très chouette. C'est l'oracle des guerriers de la lumière. J'ai entendu dire, oui, certes, il y a beaucoup d'oracles de ce type. Et ben pourtant, celui-ci, il a quelque chose en plus. Donc, il est paru chez le Lotus et l'éléphant. Et c'est Sandrine Müller, illustré par Sandrine Fourier. Müller, son nom vous dit peut-être quelque chose. Voilà, c'est celle qui a fait l'oracle des petites cartes du jour. Donc, l'illustratrice, c'est Agnès Ramalho. Donc, c'est une de ses copines qui a écrit tous les jours, qui a envoyé tous les jours un petit message au mari de Sandrine Müller lorsqu'il était malade ou en convalescence. Et ensuite. Donc, elles ont sorti à deux cet oracle qui au début ne me parlait pas plus. C'est maman qui me l'a offert lorsque l'on était passé un jour chez Noz. Elle m'a dit, oh, regarde. Je dis, oui, bon, je savais pas trop, pas plus. Mais comme elle avait envie de me l'offrir, je l'ai accepté. Et en fait, en pro, contrairement à toute attente, il m'a répondu, il m'a vachement bien aiguillé. Alors, c'est pour tirer la petite carte du jour. J'aime beaucoup le dos, les tranches sont neutres. Tiens, je pourrais. Ah non, parce que là, c'est blanc. J'avais peur de les faire. Peur de baver, j'allais dire, les faire un peu plus foncés, mais non. Et donc, on a toujours un petit ange avec son petit chien, son petit compagnon, son fidèle compagnon. Voilà, un mot-clé et puis parfois des petits dialogues. Et comme ça n'a l'air de rien. En fait, c'était des petites cartes pour lui remonter le moral qu'elle lui envoyait tous les jours, je crois par mail, si mes souvenirs sont bons. Et finalement, il est très pertinent, je vous dis pour le pro, c'est marrant, mais je m'y attendais pas. Hein, surtout pour les choix. Voilà, j'ai fait une carte pour l'état actuel. Si je fais tel choix, si je fais tel autre choix, et c'était incroyable. Mis tout ensemble. On peut peut-être faire hein, un exemple de tirage. J'aime bien quand on prend le temps. Ça va encore faire long, mais bon. Un exemple de tirage hein, de ce type-là. Vous pouvez penser à une situation dans laquelle vous avez un choix à faire. Voilà pour le livret. Donc des phrases très simples, mais très justes. Droit au but. Qui va t'expliquer un petit peu la naissance de cet oracle-là. Alors, là, une carte pour la situation dans laquelle vous êtes, qui explique peut-être cette remise en question.
la situation dans laquelle vous êtes. On peut en rajouter une aussi peut-être pour la question. Pour la situation dans laquelle vous êtes. Ça parlera pas à tout le monde, hein, puisque là c'est général. Il y en a pro, Coco. La situation dans laquelle vous êtes actuellement. L'état d'esprit. L'état d'esprit face à cette question. Peut-être que ça sera plus... L'état d'esprit. Beaucoup de tendresse, hein, à la coupe. L'état d'esprit. Donc si vous faites le choix 1, initiation. L'apprentissage, hein, avec les hauts et les bas. Et le choix 2. Ta famille d'âme te soutient. Le choix 1, ça sera peut-être un peu chaotique. Et le choix 2. Ah, voilà. L'état d'esprit, pourquoi vous posez cette question? Ne diminue pas ta valeur. Oui, je suis vraiment minuscule. Donc c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte. Enfin, là, pour ceux à qui ça parle, vous ne vous rendez peut-être pas compte de la valeur que vous avez. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez entre deux choix ou à vous lancer dans une situation parce que voilà, vous vous sous-estimez, hein, tout simplement. Donc si vous décidez de faire le choix 1, choisissez un choix 1, choix 2, par exemple y aller, ne pas y aller, conserver l'emploi, changer d'emploi, enfin c'est à vous de voir, hein. Choix 1, choix 2. Vous pouvez faire pause pour... pour bien valider votre question. Donc le choix 1, ce sera une délivrance. Je me libère de mes fardeaux. Idem. Antipus. Poubelle. Donc le choix 1, ce sera vraiment une libération qui va vous permettre de grandir et... On avait vu, hein, c'est une initiation où vous allez apprendre, vous allez grandir et vous délivrer de fardeaux anciens et peut-être de vos doutes. Et le choix 2, tout peut changer en un instant. Abracadabra disparaît. Hop. Et le choix 2, on avait à la coupe famille d'âme. Voilà. Que, donc là, c'est plus dans le champ, dans le sens que tout peut changer en un instant. C'est que ça peut aller très vite. Et que en effet, si tu fais ce choix-là, les changements auront lieu rapidement, hein, très rapidement, dans votre vie ou dans votre état d'esprit. Votre façon d'aborder la vie. On peut lui demander, hein, qu'est-ce qui, dans quel domaine est-ce que ça peut, qu'est-ce qui, dans quel domaine est-ce que ça peut changer, qu'est-ce qui peut changer. Qu'est-ce qui peut changer? Ouais, un attachement, un soulagement, vous avez un lien avec une libération et un pardon. Est-ce que c'est avec, avec vous-même? Enfin, vous voyez, le type de travail, en fait, il est excellent. Il a énormément de cartes. Et l'harmonie, hein, en dos de deck, on avait l'harmonie. Vous êtes guidé et l'harmonie. Pour ce choix-là. Il
On peut demander hein, la délivrance de quel type de fardeau est-ce qu'on peut se délivrer là aussi. Ah, une surprise. Voilà. Ce sera votre récompense. En tout cas, on vous dit de prendre, de vraiment prendre du recul. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour arriver à choisir, en fait? Qu'est-ce qui peut m'aider à choisir? Suivre les signes. Voilà. Donc vous aurez des signes pour vous aider à faire le choix, soit numéro 1, soit numéro 2, il faudra être attentif. Mais en tout cas, ça vous mettra sur la bonne voie de la guérison. Voilà. Probablement par rapport aux valeurs. Là, ça vous... Ici, vous aurez une délivrance et de belles surprises. Et là, ça vous apportera beaucoup de changements. Vous arriverez à pardonner, à rompre des liens qui étaient probablement toxiques. Voilà, vous pourrez vous libérer par le pardon. Voilà, donc c'est un petit oracle, vous voyez, qui paye pas de mine comme ça, avec ses petits anges. C'était pas les graphismes, en tout cas, qui m'attiraient au début. Parce que je l'avais souvent vu passer, hein. J'avais même vu chez ma petite libraire, et ça m'attirait pas plus que ça, le style, le design, et une fois en main, mais il est magnifique, il est très très puissant. Donc voilà, tout ça pour dire que Sandrine Müller maintenant a sorti un deuxième oracle, donc qui est l'oracle des guerriers de lumière, et que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a un travail aussi énorme à faire avec chaque carte. C'est vraiment un travail en profondeur et en douceur. Donc avec en plus différents messages, avec des questions, avec tout un accompagnement pour chaque carte. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Voilà, enfin vraiment un livret très très complexe avec des exemples de mise en situation, des rituels si on veut les suivre. Parfois, certaines cartes ont jusqu'à 3 messages. La façon d'appréhender en fonction des messages, enfin, je trouve ça. Incroyable quoi, une grande sensibilité, un livret vraiment très très complet. Alors on a une belle. Je vais mettre ça un peu plus sur le côté pour avoir un peu plus de lumière. Voilà. Des dorures. Vous voyez, dans la bibliothèque, ça donne bien hein, quand on le met droit comme ça, c'est comme un livre. Donc on a 54 cartes. Hein. C'est une guérisseuse de métier et elle est avant tout un guide spirituel et une guerrière de lumière. D'ailleurs, oui, les cartes sont très très lumineuses. Alors ici, je voulais voir ici, est-ce que c'est elle? Les dessins, je me souviens plus. Oui, mais c'est ça, c'est une. C'est elle. Ah non, en fait, Sandrine. Ah non, en fait, Sandrine Müller, voilà, elle a fait un burn-out et son amie, donc
Agnès, envoyée par SMS des dessins. Hilarant pour me remonter le moral. Un an plus tard, cette dessinatrice talentueuse offre à mon mari Antonio son oracle personnalisé. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris les messages de l'univers. Je l'ai contacté en lui demandant: est-ce que tu es prête à rencontrer ta grandeur? Et donc elle l'a aidé donc à sortir son oracle avec ses illustrations. Donc c'était bien ça. Les illustrations ici sont bien d'Agnès Ramalho. Voilà. Et là, c'est toujours sous la direction de Sandrine Muller, mais avec Sandrine Fourier en illustratrice. Donc on a des tranches dorées. Voilà, le dos qui est magnifique. Regardez. L'étalement, il est superbe. Voilà, les cartes. Je trouve qu'elles sont d'une grande douceur aussi. Donc, on a le thème, hein, de la carte, la phrase clé et une petite aide en dessous. Par exemple, prie pour ton bien-être et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Il faut savoir qu'elle, elle est vraiment thérapeute et donc ce sont tous des messages qu'elle-même utilise. C'est incroyable parce que j'aime beaucoup les illustrations, mais oui, tout ce qui est autour aussi est tout à fait innovant et fabuleux. On va en tirer une pour voir un petit peu, que je vous montre toute sa capacité. Et celui-ci, je l'ai découvert. Ah, j'ai pas noté. Je vais vous dire ça. Je reviens. Pardon, j'avais plus de batterie. Du coup, je sais plus. Voilà où j'en étais. Oui, j'avais découvert en discutant sur Insta. Et j'avais liké un post. Et justement, elle m'a recontacté en m'envoyant des photos et on a discuté de l'oracle. Et je me suis dit, waouh, vraiment magnifique. Et. Et un livret en effet qui a fini de me combler. Allez, on va tirer une carte. Peut-être que certains d'entre vous auront un message. Ah, je l'adore. Recentre-toi, aligne-toi. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Regardez, un équilibre, une croissance, la délicatesse. On est aussi paisible. Dans un endroit paisible, je vais mettre les cartes là, je sais pas quoi faire. Hop. On a aussi cette notion de chakras qui sont alignés. De pierres qui sont là en équilibre. Donc, dans le livret. Donc, c'est la carte 42. Donc, c'est bien parce que vous avez vu, elles sont numérotées. Donc, on les retrouve très facilement.
dans le livret 42. Vous allez voir. Donc, message 1. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Donc ça, c'est celui-ci. Message 2. Votre agitation intérieure. Donc là, on avait une agitation extérieure et là, c'est intérieure, causée par le stress. Vous a décentré. Vos chakras ne sont plus alignés, ce qui provoque de nombreux désagréments. Vous cassez des objets, vous avez des sentiments d'être poursuivi par la poisse parce que tous les ennuis vous tombent dessus. En même temps, vous attirez des personnes désagréables, même si vous faites l'effort d'être avenant. Vous vous agacez facilement, vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite, ou vous sentez accablé, vous vous sentez accablé. L'énergie qui ne circule plus correctement en vous génère des blocages à différents endroits dont les manifestations physiques sont la gorge nouée, la boule au ventre, les maux de tête, les brûlures d'estomac et le dos crispé. Comme les énergies que vous projetez à l'extérieur sont poisseuses à cause de ces blocages, vous récoltez ce que vous avez semé, à savoir des blocages extérieurs, la colère de votre entourage, la critique, les accidents, etc. Conclusion, vous n'êtes pas aligné si rien n'est fluide en vous ou autour de vous. Donc on a ici toute une série de rituels d'alignement. Si ça vous parle, vous pouvez faire un arrêt, un print écran. Hop. Donc... Reconnaissez, vous n'êtes plus aligné, comment reconnaître qu'on n'est plus aligné, etc. Comment faire pour se réaligner? Voilà, donc vous voyez, vous avez des messages vraiment concrets avec des exemples. Enfin, moi je le trouve très parlant. Et enfin, ouais, ça va être un outil qui va m'accompagner un bon moment, ça. Je trouve ça incroyable. En plus d'être belle, beau et intelligent, c'est super. Grande douceur aussi dans les illustrations, beaucoup d'énergie, trouver les énergies du jour, regardez ça, le talent est infini. Remercie tes ennemis car ils te font grandir. Très optimiste aussi, ça permet de retourner la situation de façon optimiste et du coup de ne pas continuer à être nivelé par le bas, quoi. Voilà pour ce chouette oracle des guerriers de lumière. Voilà, beaucoup. Même l'intérieur de la boîte, tous les détails, c'est une grande finesse. Et le livret, il est épais, hein. Voilà, donc aux éditions... Le Lotis et l'éléphant par Sandrine Muller et les illustrations de Sandrine Fourier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, mon premier jeu arrivé à la maison de Mayaland. Donc celui-ci, je l'ai... J'ai aidé au financement sur Kickstarter. Donc elle a son compte Insta. Artistique Cideo. Idée of Live. Ah, voilà. Ça ira plus vite si vous prenez vous-même. Donc c'est Mayaland. Et... Donc ce sont des collages. Il faut
trop aimé l'étalage. Moi, j'aime beaucoup son univers. Donc, ça y est, il vient juste d'être publié et d'être envoyé. Je l'ai reçu hier. Voilà la boîte. C'est de la bonne qualité, hein. Donc, mon premier jeu reçu de Kickstarter, il va y en avoir d'autres, il y en a plein du coup en transit. Ça va me coûter un bras, mais. Vous avez peut-être vu passer ces illustrations sur Kickstarter, sur Insta. Et je trouve une grande poésie, j'adore cette époque, j'aime le photomontage. Je trouve que voilà, c'est toute une ambiance, toute une époque. Il y a des cartes que j'aime beaucoup, comme les amoureux là, avec les visages en fait qui ont été découpés et qui ont été remis. J'aime bien aussi parce qu'on voit, clairement que c'est du photomontage. Enfin, c'est même pas du photomontage, je dis n'importe quoi là, c'est du découpage collage. Et donc on a cette impression de relief, quoi. On le voit, c'est brut, mais j'aime bien. J'aime l'époque qu'elle a choisie aussi. Regardez cette ermite. S'il n'est pas magnifique. La roue de fortune. Cette justice. J'ai horreur des cris. Bon, ils jouent, mais c'est des jeunes qui jouent là, sous la halle. Mais je ne supporte plus les cris. Si ça continue, je fermerai la fenêtre. Une très belle femme. C'était bien aussi d'être féminine. La tempérance. Un diable. Ça va, il fait pas trop peur. La tour, très belle aussi. Et je ne sais pas du tout si après elle va pouvoir l'éditer. La star. Avec les étoiles là-haut, la lune, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de joie, je trouve, de bonne humeur, le soleil. Le jugement, je l'adore. C'est quand même excellent. Le monde. Phase de coupe. Et oui, donc je disais, je ne sais pas du tout si si elle va pouvoir continuer de l'éviter, s'il y a eu juste ceux qui sont sortis sur Kickstarter ou si. Souvent, c'est les cas. Hein. Après, ils éditent eux-mêmes leur jeu. Alors, je suis surprise parce que je pensais que c'était un peu plus lumineux, mais je pense que c'est volontaire hein, de faire un peu cette ambiance un peu passée, de couleur un peu passée. Et alors là, les deniers, j'adore parce que c'est des coins, des anciennes pièces. J'ai l'impression que mon téléphone est vraiment sombre. Parce que moi, je les vois bien enfin, lumineuses, oui. Et dans l'écran, je sais pas. On va voir. Lumineuse mais pas flashy en fait hein. C'est des contrastes très doux. Non, trop de soleil, voilà.
Le page. Avec un bison. Churchill. La reine. Elisabeth. L'as d'épée, le 2. C'est marrant parce que là, elle aurait pu mettre, je sais pas, une jeune femme qui pleure ou un jeune homme. Ou, et elle a repris vraiment, elle a pris parti de reprendre l'illustration traditionnelle. Il est beau, lui, dans sa parc. C'est vraiment toute une époque, j'adore, j'adore. Du scotch. Mon Dieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, on dirait qu'il y en a bien plus, hein. Et les bâtons. Très belle. Ouais, c'est bizarre ça, ce téléphone là. Je vais voir comment ça donne, mais je voudrais pas que ça soit. Pourtant, je suis en plein jour. Il y a du soleil. Et des nanas. Voilà. Donc j'ai pas encore fait de tirage avec. Je ne peux pas savoir comment il parle. Mais sûrement très bien. Une belle qualité, hein. J'aime bien, il est sobre, il est. Je trouve qu'il y a de l'humour aussi. Beaucoup d'humour. Une époque que j'aime. Et j'aime le découpage aussi. Découpage, collage. Oh, elle est belle. J'aime bien aussi ce que les émotions derrière, quand même, avec toutes les vagues. Et beaucoup de ciel et de nuages. Pense que ça va être vraiment très très agréable de travailler avec. Pas comment il faut que je le mette pour qu'il y ait plus de lumière. Donc mayalandart.com. Mayaland collage tarot deck. Je pense que c'est son premier aussi. Voilà. Une boîte toute simple, mais aussi très 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 stellaire. Hein. Ensuite, on va rester dans l'auto-édité. Ah, bah, je vois rien. Est-ce que c'est. Bon, un instant. Est-ce que c'est à cause du contraste? Ah, peut-être que là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc celui-ci, auto-édité, acheté sur le Roi de Coupe Bouchette Design. Il est perturbé par le soleil là-haut. Bouchette Design.
Donc là, par contre, c'est assez sombre, mais on voit qu'il y a des reliefs dans les tons noirs, marron, rose. Oui. Et tout petit aussi. Par rapport à une carte. Regardez ça. Donc ça, c'est l'auteur du Meraki. Hein? L'auteur du Meraki. Regardez-moi ce dos. Oui, là, les couleurs sont pas mal. Les tranches. J'aime bien parce qu'elles sont mates. Oh, il a un toucher pêche, mais regardez comme il glisse par rapport au Meraki. Il y a eu une évolution. Alors que c'est le même toucher hyper agréable. Donc, on a toujours la présentation, les mots-clés. Puisqu'il s'agit là, bien sûr, d'un tarot. Les épées, les bâtons, les coupes. Et nous voilà partis avec le fou. Beaucoup les couleurs, le magicien, donc autour des animaux. Regardez-moi ce lapin, la grande prêtresse, l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle est belle là! L'empereur, l'hiérophant, les amoureux. Extraordinaire. Avec ces deux chouettes dans leur nid. Ils sont beaux. Le chariot avec ses signes. Un noir, un blanc. C'est bien. Enfin, c'est bien, c'est chouette. Me permettrai pas, c'est très chouette. La force. Avec cet ours plein de fleurs et ce petit lapin, tout en douceur, l'ermite, cette tente d'Indien avec juste des lucioles et une lumière. La roue de fortune, la justice. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, il est fin. Le pendu avec le renard, mais vous voyez par rapport à une carte de tarot. Il est plus petit et plus étroit. La mort, très très lumineuse. La tempérance, avec cette grue dans les marécages, on dirait. Oh là là, le dévil. Le diable, la tour avec cet arbre, des oiseaux qui montent, d'autres qui descendent, du feu, des crépitements, les étoiles, et encore des grues qui dansent sous la lune. Les hirondelles avec le soleil. Dans ce printemps. Oh, le jugement. Il fait flipper lui. Ouh là là. Son regard là. Regardez ça. Le fait qu'il soit là. Semi-transparence. On ne le voit pas tout de suite. Il nous épie. Elle est forte. Le monde. J'aime beaucoup les as. Le 2, on est dans les coupes. Peut-être passer un peu plus vite. Voilà, celle-là, j'adore. Avec le hérisson. Celles-ci aussi. Enfin, elles sont toutes belles. 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Avec le colibri. Le roi, la reine avec les pingouins, le cavalier sur son saumon,
un petit marcassin. Et le page, c'est quoi ça? C'est comme animal. Il est très beau, mais j'arrive pas à voir si c'est un hérisson, un marcassin. Le page. Ah oui, et puis là, on n'a pas d'informations, seulement la signification. Mes pages de coupe, elles sont où mes coupes? Pentax, coupe, page, émotion, spiritualité. Non, du coup, on n'a pas. Il est trop beau. Oh, ces fleurs, magnifiques. L'as de pentacle. Vous avez vu, les as, ils sont très beaux ensemble. Les deux, c'est fin. Il y a des reflets roses partout. Et c'est très très fin comme illustration. Un bonsaï. 8. Regardez ça. Des fleurs magiques. Le 9 avec toutes ces coccinelles, le 10. Le king, le petit lapin. On retrouve. Oh, quelle fraîcheur. Le page, l'as. D'épée. Ah, c'est l'ours. Il dort. Oh, quelle finesse. C'est magnifique. Si la chrysalide, elle était vide, quoi. Ça y est, il est sorti. C'est vraiment la finalité, quoi. Le 10. Le changement. Regardez, j'aime beaucoup l'énergie des as. Waouh. Il est vraiment dans le printemps, là. Oh, ce chat. Qu'est-ce qu'il est beau. J'aime bien aussi tous ces reflets sur les jambes, enfin sur les qui sont ici, mais on retrouve sur pas mal de cartes tous ces petits points là, faits par touches de couleur, qui met pas mal de, qui met bien, bien, bien en lumière. T'es un petit quoi, toi? Hein? Donc voilà pour le Oranda Tarot de Bouchette Design. C'est fou, hein? Regardez. Il glisse bien maintenant. Et pourtant, on a toujours ce toucher pêche et des cartes oui, un petit peu moins épaisses, je pense, que le Meraki. Je suis vraiment agréablement surprise. Qu'est-ce qu'il est beau! Le Oranda Oracle du Bouchette Design. Viens là, toi. Une boîte un peu fine, il faudrait que je fasse attention. Ah non, non, finalement le carton est bien épais. Non. Hop, encore un. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Celui-ci de la collection Dark
Cinévir. Je vous en ai déjà montré plusieurs, hein. Celui-ci que j'aime beaucoup. Le Botanica Occulta Tarot de cette collection. J'en ai encore 3 ou 4 en précommande. Par contre, là, j'ai les commandes directement sur leur site. Et les premières fois, ah oui, mais parce que c'était anglais. Avant, il n'y avait pas de frais. Et maintenant qu'ils sont sortis. Maintenant qu'ils sont sortis, oui, ça vient d'où ça? Non, pourtant d'Ukraine. Alors c'est pas sur celui-là que j'ai eu. Non, si c'est sud, si c'est d'Ukraine, c'est pas sur ceux-là. Voilà les dos. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est magnifique. Vous pouvez les suivre sur leur site, hein, sur Insta. Ils ont un site. Il est très très fin. Il y a quelque chose de très magique parce que on est un peu dans ces années 1920 avec toutes ces plantes, mais en même temps il fait un dos plutôt psyché et il fait rétro, witchy. Il se marie avec beaucoup de choses. Donc le Botanica Occulta Tarot. Donc vous voyez, vous pouvez les avoir sur Insta, hein, Dark Cinévire Tarot. Ils font des très belles photos. 78 et il y en a toujours deux de plus dans chaque jeu. Il y a celui-ci que je viens de vous présenter dans le tag de Seb le Lutin. Donc qui était mon voyage au Moyen-Âge. Des beaux tableaux. Ah tiens, vous allez le retrouver bientôt, lui. Dans une autre commande sur Quickstarter. Ils ont repris des illustrations du Moyen-Âge assez traditionnelles. Donc celui-ci, il s'appelle The Manuscript of Initiation Tarot. Et j'en avais un aussi que je vous avais présenté il y a un petit moment de chez eux, que j'avais depuis un an. C'était celui-ci, le Tarot of Spells and Potions. J'aime beaucoup. Ils ont vraiment leur style. Et moi, j'adhère complètement. Voilà le dos. Avec plein, plein, plein de détails. C'est tout un univers, hein. J'aime beaucoup. Et maintenant, donc le dernier, donc celui que je voulais vous montrer à la base, c'est le Witch Folk Tarot. Donc toujours de Dark Cinévire. Toujours. Ah non, celui-là c'est juste 78 cartes, alors que les autres, il y en a souvent deux supplémentaires. Ah, je ne vais pas y arriver, hein. Voilà. Donc un petit livret en anglais, en russe. En anglais et en russe. Ouais. Voilà le dos. Sobre, efficace aussi. Ça va être mon mot. Et voilà les cartes. J'aime bien parce qu'il y a des traits très fins.
des petites créatures, des fleurs. Ça fait un peu énigmatique aussi, je trouve. Un peu folk, folklore russe de l'Est. Voyez, il est sobre. Oh, décidément, voilà, donc continuons. Ah, la luminosité est meilleure entre-temps, non? Donc vous voyez des traits très fins, des symboles, des fonds noirs un peu, ça va être bien, mais en même temps assez lumineux pour pouvoir l'utiliser dans les périodes à venir. Celui-ci. Pour tout vous dire, je l'ai pris, je l'ai acheté pour pouvoir l'utiliser avec, hop, c'est mieux, les saisons de la sorcière, justement sur mes bonnes. J'adore cette lune, la lune rouge. Pour pouvoir l'utiliser sur cette période-là qui va arriver. Hop. Donc les dos, déjà rien à dire, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais super. Comme ça sera mieux. Oh là là. Ce sont des cartes un peu fines, mais qui se remettent bien en place. Oh, infernal. Je ferme. Allez, tant pis. Ouf. J'aime pas les cris. Surtout pour jouer en plus, c'est pourquoi. Il y en a déjà assez au quotidien. Dans certaines maisons, c'est pas pour. Voilà. Waouh, ah bah là. Fauchage, la naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien. Avec quand même le cavalier d'épée, hein? Et oh, c'est marrant. Knave et Knight. Oh, Knave. Ça doit être le cavalier, le Knight, et ça c'est quoi? Le page. J'espère qu'on va avoir quelque chose un peu plus lumineux. Le whisky avec le 6 de coupe. Et l'as d'épée. La vie doit être sirotée lentement, avec patience. La vision se révèle. Donc avec les cartes là alentour. C'est assez parlant, hein? Le 5 d'épée, le soleil, soucis et mille pertuis. Disons qu'à cette plante, rien ne vient à bout de la volonté du balai. Le soleil, regardez, c'est très. Justement, le 5 d'épée. C'est un peu le combat, est-ce que c'est un combat avec soi-même, avec d'anciennes. Ça peut être avec d'anciennes habitudes, avec le combat qu'on mène à bout pour arriver jusqu'à réaliser son vœu. Oh, regardez cette danse là. Cette danse avec le 8 de coupe.
Le pendu avec son chat. On est vraiment dans des belles, des beaux tons et des beaux messages. Que ton souffle puisse gonfler ton âme et remplir ton cœur. Très, très beau. Équinoxe d'été, d'automne. Ah, là aussi, ils sont deux, deux. Et là aussi, on a une dualité avec les quatre pôles. Le 10 d'épée. Avec un équinoxe, c'est l'arrivée au bout. J'aime beaucoup. Ils vont très très bien ensemble. Je suis contente. J'ai vraiment l'impression. Parce que comme ça, la lumière est meilleure. Le crépuscule. Des belles couleurs. Hein. Je sens que je vais me régaler visuellement et au niveau des messages aussi. Très chouette. Va s'en tirer un petit. Pour voir un peu l'énergie du jour. Allez, en ce dimanche, non, comme vous regarderez, quelles sont les énergies? Ah bah, ben voilà, c'était pas la peine, le crépuscule. Ça, c'est la magie des cartes. Vous devez sortir. Alors, avec deux cartes du tarot, s'il te plaît. Quel est le message avec ce crépuscule? Oh! Oh! Oui, elles font. Quels sont les messages avec ce crépuscule? C'est une carte complémentaire sur la famille Folkwitch. La lumière diminue, la vie fane. Es-tu prêt pour rentrer dans cet automne et avoir moins de luminosité? Regardez là, comme la carte est plus sombre. Et avec le magicien, peut-être que pour faire face à ce côté, à cette lumière qui va décliner. Là, on a vraiment l'impression d'avoir le magicien avec tous ces éléments là aussi. Là aussi, vous voyez, c'est elle, c'est vous. Il n'y a que vous qui pourrez mettre de la lumière dans votre quotidien, en fait. Hein? C'est vous qui avez l'interrupteur, c'est vous le magicien. C'est vous qui allez préparer maintenant. Là, en ce moment, hein, toutes les réserves des récoltes pour pouvoir faire face à cette période-là qui arrive, qui sera moins lumineuse. Il y a
la perte, voilà, des jardins qui ne seront plus productifs, donc de faire les conserves aujourd'hui, de préparer, de récolter vraiment. On est vraiment dans toutes ces récoltes avant l'hiver. Et c'est vous qui êtes aux manettes. Vous pourrez faire votre propre magie, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Ah oui, ça sera joli ça. Peut-être que si on se pose la question, c'est attention, hein. Préparez-vous. Préparez-vous à cette baisse de lumière et tout en profitant du moment présent, mais. Sans être trop cigale. Donc voilà, la saison des sorcières avec ce Rich Folk Tarot. Rich Folk Tarot. The Dark Sinévire. Ensuite, oh, un tout petit mais costaud, hein. Attention, celui-là il frappe fort. Ce Fantoc Pack par Edouard Goret. Oui, Goret. Il a fait pas mal d'illustrations de BD. Et de livres, enfin de livres, pas de BD, de livres. Donc celui-ci, il a été d'abord auto-publié en 95, en édition limitée. Et là, il est ressorti en mass market, donc en 2007. On le trouve voilà, sur la grande plateforme, hein. Il y a peu de cartes, mais attention, hein, ça tape. Le livret, je suis pas toujours d'accord. Enfin, le livret, il faut être vraiment prêt à l'utiliser. Mais de toute façon, on peut y aller vraiment à l'intuition. Oups. Voilà, pardon. On peut vraiment y aller à l'intuition. Donc voilà les dos. Elles ont un revêtement brillant. Mais du coup, elles sont bien. Elles collent un peu, mais elles sont quand même glissantes. Enfin, quand on les a comme ça dans les mains, oui. Elles glissent, j'aime bien parce qu'on a les bords bien piquants. Le petit livret. Hop. Vous voyez, on a des mots-clés pour chaque carte. Mais les mots-clés, il peut y avoir beaucoup de divination, il peut y avoir de la datation aussi, mais c'est. Ça va loin et c'est pas toujours très optimiste, hein. Il faut être bien accroché. Moi, je préfère y aller à l'intuition. Ça peut donner des compléments, hein, mais c'est très très. Il y a certaines interprétations qui peuvent être vraiment très très dures, très pessimistes, hein. Avec presque de la divination, quoi. Attention ceci, attention cela. L'urne, le tunnel, l'ancêtre, on a ces liens cette échelle qui permet d'évoluer, mais aussi des attaches là en bas. Un oiseau jaune. Alors, ce qui est impressionnant là, c'est qu'on a l'impression hein, qu'il va vers la droite, même les arbres. Tout est penché et on le trouve bien. Et il n'a pas d'ailes en fait. Et pourtant, ça choque pas, on le voit bien voler. Mais il n'a pas d'ailes.
Et ça m'a surpris parce que quand je m'en suis rendu compte, je dis, je l'avais pas vu en fait. Non, oui, pour moi, il volait, mais il n'a pas d'ailes. Et pourtant, il vole. Donc, comme quoi, on peut pallier aussi hein, à certains manques. Le dos lui, est magnifique aussi. Voilà, les pierres. L'écorché, écorché vif, hein, ouais. Il n'a plus de peau, c'est juste le muscle, l'effigie. 40, 34 ou 43. Autant d'habitude, 43, c'est un porte-bonheur. Le chien bleu, le blue dog, bulldog, il y a des jeux de mots aussi. Magnifique. Regardez, qu'est-ce qu'il est beau. Triste, mais beau. L'enfant. Les insectes, donc là on a des phasmes. On dirait qu'ils sont en grande discussion. La jambe, c'est comme si c'était pour se tenir ou pour rappeler. Moi, ça m'a fait penser aux sonnettes, vous savez, pour rappeler les domestiques qui arrivaient en courant. Et en même temps, là, on a comme une prothèse, peut-être pour se tenir, pour pouvoir mettre cette prothèse, la mère. Là, vous voyez qu'il est costaud quand même, hein. La tête en feu. Burning, burnout, c'est avec sa plume de paon. Celle-ci aussi, la plante, elle m'impressionne parce que la fleur a la même forme que les racines. Elle regarde vers le bas et les feuilles s'élèvent pour attraper cette lumière, puisque c'est elles qui font la photosynthèse et qui permettent à la plante de vivre et de lever cette tête. C'est incroyable. La bouteille aussi. On dirait une grenouille, mais en fait, c'est un homme. On ne sait pas trop. L'imagination peut en faire beaucoup. Là, il n'y a même pas de titre en pierre. Il n'y a pas de bras non plus. Et attention, la dernière contient des petites bêtes. La valse de la souris avec voilà, on dirait qu'elle est perdue vers où je vais. En même temps, elle est en pleine lumière, l'ombre est en bas, mais à ce bord, comme si elle tourne pour savoir où aller. Et en même temps, on a l'impression qu'elle est en spectacle, en représentation. Enfin, il y a tellement de choses hein, que l'on peut imaginer. Mais vous voyez, oui, c'est pas non plus un oracle très très optimiste, hein, mais il est magnifique quoi. Qu'est-ce qu'on peut y voir là-dedans? C'est incroyable avec son dos. Et je suis en train de me demander, tiens, là, à toi. Avec cette fameuse dame de l'ombre. Moi, c'est l'auto-édité que j'ai. Parce que je l'ai acheté sur Vinted, il était en excellent état, il était moins cher que le nouveau et des cartes plus, voilà, plus épaisses, plus agréables. Oui, je pense que là on peut avoir des messages déstabilisation, la valse, le fait d'aller un peu dans tous les sens. Le fond n'est pas tout à fait le même, mais. Se libérer pour la réussite de ce poids, de ce fardeau. L'urne et le flair. L'urne, ça peut être aussi l'héritage, ça peut être les ancêtres, cet héritage et le flair de sentir, d'être ouvert, ouais, peut-être de l'aide pour trouver, pour sortir de ce tunnel. Le soutien, ça aurait été marrant que ça tombe avec la jambe.
soutien d'un fidèle ami, la fidélité, un enfant, le rocking chair, la tranquillité, bercer. On peut avoir des messages assez sympas là. Hein. Le danger. Ouais. Solution à la fêlure, une ouverture. Mais je pense que là, on pourrait avoir des messages, des compléments un peu à ces messages, mais ils seront pas de tout repos. Hein. Là, il faut bien accrocher quand on fait ça. Être sûr d'être en capacité de recevoir ce que l'on va avoir. Madame de moi. Ouais. The Phantom Pack. C'est tout un monde. Hein. Tout un monde. Phantom Pack. Ensuite, eh ben, j'ai deux Malpertuis. Il y en a un que je vous avais déjà montré qui était. Il est où? Je ne sais pas où je l'ai mis. Dernièrement, avec ce que je vous avais montré en duo avec celui-ci. En fait, il est normand. Est-ce que je l'ai mis? Non, il est là. Donc, c'était ce Malpertuis-là que j'aime utiliser. Avec le manuscrit des initiations. Et plus de place là. J'en ai pris deux autres dans la commande que je voulais depuis longtemps. Surtout celui-ci, le Wizard Regardez-moi. Cette boîte magnifique. Des grandes cartes, hein, celui-ci. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci, parce qu'il est un peu plus petit. Il a aussi une ambiance un petit peu particulière. Oui, Malpertuis, il est habité, quoi. Hein. Regardez, avec son book. Je sais plus quelle est l'histoire du book. C'est magnifique, hein. Dans l'ombre. Vraiment l'Angleterre dans le smoke. Regardez les couleurs. Donc le cavalier, le trèfle, le bateau. Donc ça, le normand. Hein. La maison. Ces aquarelles sont juste géniales. L'arbre, le nuage avec cette lumière, cette luminosité. Incroyable, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faucille, le fouet, il est terrible, la pie pour les oiseaux, l'enfant, le renard, l'enfant, il est mixte, hein. C'est un peu comme un ange, donc ça peut être un garçon, une fille, l'ours qui protège, on dirait, l'entrée de la maison, les étoiles, la cigogne, les cigognes. Non, c'est la cigogne. Non, il y a deux ailes. Oui, c'est ça, c'est un accouplement même là. Il y a un bec ici et l'autre au-dessus. Oh, les lévriers, j'adore. Très très élancé. La tour. Le jardin.
la montagne, les chemins, celle-ci je l'adore aussi, les souris, donc si vous regardez bien vous les trouverez, sur le coup on ne les voit pas, le cœur, qui est comme une tapisserie ancienne hein, du Moyen-Âge, l'alliance aussi, l'anneau, le livre ouvert avec le crâne, c'est vraiment la transmission, les ancêtres, la lettre. Alors, on a deux hommes qui regardent de deux côtés et deux femmes aussi. Tous les personnages peuvent se regarder, se faire face, ça j'aime bien, se tourner le dos, l'hélice. Le soleil, oh ben décidément, la lune, la clé, les poissons, qui sont un peu les poissons séchés, salés, l'encre, la croix et le joker, qui est une porte d'entrée, toc toc, là vous voyez, pour frapper à la porte, un knock. On rappelle la chanson du Devil. Knock, knock, knock. Et donc celui-ci, vous reconnaissez sûrement le design hein, pour les plus avertis. Donc c'est l'auteur du Tiltwix. D'ailleurs, on reconnaît un petit peu les couleurs, hein, le style. Je sais pas pourquoi je vais vous rebouger de nouveau un peu. Donc il va très très bien avec ce Tildwix. Regardez le dos. Alors ça, c'est les cartes les plus merveilleuses. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de Pentacle. Avec cet échange. Et tout à l'envers. Le 6 de Pentacle. Et ici, avec le petit Lenormand. Quelle carte? Alors lui, il est complètement habité. Hein. Les deux, je les utilise pas le soir. Hein. Il y a besoin de couper avec une femme, de s'éloigner, de couper certaines choses si vous voulez. Peut-être que ce sont des échanges qui ne sont pas équitable. Vais juste vérifier. Oui, c'est ça. Le 6, là, c'est on est dans les échanges mais qu'ils soient équitables, c'est-à-dire de pouvoir, de donner, de recevoir, apparemment là, avec une femme, il y aurait quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. Et qu'on vous dit que peut-être qu'elle vous pompe un peu plus, que vous donnez plus que vous ne recevez, ou. Comme une mise en garde. Je vous dis, c'est un jeu. Il est terrible. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le caractère de cette femme? À quel niveau? Pourquoi faut-il couper? Pourquoi couper avec cette femme? Qu'est-ce qui est déséquilibré? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît?
Et ce sera quelque chose à saisir rapidement. Ou c'est récolter, avec cette chance, récolter ce qu'une rapidement. Récolter, saisir au vol. Parce que la faux vient à quelque chose qu'une femme pourrait vous transmettre, vous donner. Ah, il peut y avoir les deux. Les deux possibilités. Non. Non, non. C'est vraiment quelqu'un qui vous attend au tournant et ça serait. Il faut le faire rapidement, en fait. C'est quelque chose, une coupure qu'il faudra faire rapidement. Parce que cette femme-là, c'est. C'est une vipère, c'est quelqu'un qui vous attend par derrière, qui va vous trahir, qui vous observe et qui va. C'est quelque chose qui va arriver rapidement, donc il faudrait couper vite fait cette relation, hein. Dès que c'est une chance de le faire avant une trahison, avant un déséquilibre, avant. Et si je coupe, que va-t-il arriver? Eh bien, vous vous sentirez beaucoup plus libre. C'est un lien qui, visiblement, vous tire vraiment vers le bas. Parce qu'une fois que vous aurez coupé, vous serez beaucoup plus libre de vos. Au niveau, là, je vois de la création, au niveau de vos pensées, de votre mobilité, ça sera comme une renaissance, quoi. Vous pourrez vous laisser aller. Voilà, messieurs, dames, la puissance de ce jeu. Et là, c'est un truc de fou, tout simplement. Donc, c'est le Wizard Lord. La légende. Oui, il y avait toute une histoire aussi. Encore de mort autour de ça. Hein. Le Normandais. Et puis lui-même, l'auteur, hein, s'est donné la mort. Chance. Hop, j'adore les couleurs. Ce côté ancien. Et donc du même auteur. Parce que c'est son frère maintenant, je crois. C'est sa famille ou en tout cas son frère, je crois, qui gère. Voilà, qui a fait cette réédition 2023 pour le 10e anniversaire et qui gère les ventes de jeux existants. Donc ici dans ce petit Lenormand de Malpertuis, ça c'est la seconde édition